Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas en tout cas à rejoindre mon serveur Discord qui est en description. Là, on est actuellement 1300 membres GoRush, les 2000 membres. Vous retrouverez là-bas, du coup, des infos sur les glitches patchés, des infos sur les nouveautés sur GTA V Online, voilà. Vous retrouvez du coup aussi des salons entraide pour les glitches, pour les Caio Perico, pour les Bogdan, pour les dons de véhicules, pour les tenues, voilà. N'hésitez pas en tout cas à rejoindre, le lien est en description. Et en plus, c'est gratuit, ça prend seulement 2 secondes à rejoindre. Voilà. Salut à tous, c'est Néo. Donc là, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve pour un tout nouveau glitch en solo. En tout cas, avant ça, un grand merci à vous tous. Pour les 33 200 abonnés, c'est juste énorme. GoRush, les 33 300 abonnés. Donc, pour commencer, vous devrez commencer par être en session sur invitation ou en session publique, peu importe, avec un mode de visée libre ou un mode de visée assisté, peu importe. Les deux modes de visée fonctionneront, ok. Vous devrez du coup aussi avoir l'équipement de cuirassé, ok. Donc, une fois tout ceci préparé, c'est parti, let's go! Allez hop, là pour commencer, vous allez faire pavé tactile. Là vous allez du coup dans inventaire. Et du coup là on va dans service d'équipement de cuirassé. On clique dessus et du coup là on le demande. Hop, nickel. Là on attend de le recevoir. Une fois qu'on l'a reçu, on va dessus. Là vous allez voir que du coup vous aurez le cuirassé sur vous. Ok. Maintenant là on va au niveau des marches, on va au niveau du petit rond bleu. Ok. On va sur le petit rond bleu. Ensuite, du coup, là, on va accéder donc à la fête de Caillou. Donc, hop, on clique dessus. Là, on aura une petite cinématique et on va respawn du coup sur l'île. Une fois du coup arrivé à l'île de Caillou Perico, là, vous allez vous diriger donc au niveau de la piste de danse et là, vous allez danser avec la tenue. Donc, hop, du coup, on fait L2 pour danser. Nickel. Du coup, on danse pendant 10-15 secondes. Une fois du coup avoir dansé, là on retourne au niveau du véhicule, ok. Et là du coup vous allez retourner donc à Los Santos, hop, nickel. Là on aura une petite cinématique et du coup vous allez respawn en session et vous allez voir que vous aurez du coup votre tenue normale mais que vous serez en cuirassé. Vous avez vu, boum, là ça a bien fonctionné et du coup on aura le même point de vie que le cuirassé, donc sauf que là du coup on est avec notre tenue normale, voilà. Là, vous allez voir que du coup les flics me tirent dessus. Là, vous allez voir ma barre de vie. Ma barre de vie descend vraiment tout doucement. Donc, c'est comme le cuirassé. Donc, c'est magnifique, voilà. Donc, c'est un glitch qui sert un peu à rien, mais c'est fun à faire. Et là, vous allez même pouvoir prendre des encas, car de base, les encas, on ne peut pas les prendre en cuirassé. Donc, du coup, c'est un petit plus. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner, GoRush, les 33 300 abonnés. Moi du coup, je voulais donc sur ce gameplay, donc sur ces images, c'était Néo, allez, ciao. Humain.